Nom Zarmac, oui, prénom Andrzej, né il y a 34 ans à Gdansk en Pologne, révélé au grand public en 1974 lors de la Coupe du Monde. Ses coéquipiers s'appelaient alors Lato, Deina, Gorgon, spécialité chasseur de buts. Et le problème, comment s'échapper du marquage d'un stopper qui est accroché à vos basques pendant 90 minutes. Alors, le début de la solution, c'est la présence devant le but. Et quand on échoue de ce côté-là, alors on se démarque sur le côté gauche et on appelle le ballon, suivi d'un duel, mais on n'est jamais sûr d'aller jusqu'au bout. La réussite ensuite, quand on vous oublie un petit peu au profit de vos coéquipiers Boli et Dagno, et que l'on vous offre un ballon que l'on n'a plus qu'à pousser dans les buts de Damas. À ce moment-là, la moitié du contrat est remplie. De la réussite, mais aussi de la détermination sur ce centre de Garande où il se jette tête première. Mais ne jamais céder au doute, même au plus fort de la déception. Et après le repos, quand on est avant-centre et capitaine, pousser ses coéquipiers vers le but adverse pour aggraver la marque et demander des ballons, toujours des ballons, pour essayer d'aggraver la marque. À moi, à moi. En tant que capitaine, calmer les joueurs, ses coéquipiers et rassurer l'arbitre, M. Valentine. Et quand on croit que tout est perdu, alors qu'il ne reste plus que 5 minutes, l'opportunisme sur ce second but après cette frappe du pied gauche extraordinaire d'Andrzej Zarmac. Toute la Bourgogne se prépare déjà au deuxième tour de la Coupe d'Europe. Et puis, début de prolongation, premier coup de massue sur ce tir en rupture d'Océano. Mais qu'importe, jusqu'au coup de sifflet final, Zarmac va lutter. On le voit ici précisément avec Océano, les deux buteurs dos à dos. Et on tente tout, même si les jambes manquent un petit peu de fraîcheur. Et puis, la Lali des Iconés, quand Litos marque dans le but vite, vide. Et à la fin du match, les bras levés des Portugais, mais le coup de chapeau du vieux guerrier à ses vaillants vainqueurs.